Voici comment utiliser la dictée vocale par les élèves pour leur permettre de répondre à des questionnaires ou faire des tâches scolaires. Par exemple, nous avons la mise en situation en français écriture, le questionnaire que nous avons utilisé plus tôt. Donc, ici, dans « Quel est le plus beau jour de la vie de Dominique? » Vous voyez, j'ai mis un espace tableau pour permettre la réponse. Alors, sous l'onglet « Accueil », je vais avoir l'outil « Dicter ». J'active le bouton. Ma réponse. Pour arrêter, il suffit de appuyer à nouveau sur le micro. J'ai également des paramètres ici pour, par exemple, activer la ponctuation automatique ou de choisir la langue dans laquelle je vais m'exprimer. Vous avez maintenant ici l'outil développeur que j'ai montré un petit peu plus tôt. Donc, en utilisant le microphone, je pourrais enregistrer ma réponse également dans l'outil développeur. Ma réponse. Donc, vous voyez, la police de caractère n'est pas la même, mais il est possible également d'avoir une dictée vocale pour pouvoir répondre à différentes questions.